speak with us on something very unique. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de très unique. Your calling. Ton appel. As a Christian. En tant que chrétien. What it means. Qu'est-ce que cela signifie? And what you are expected to be doing. Et qu'est-ce que nous sommes, de quoi nous sommes attendus? At this time. À cet temps précis. Like we said yesterday. Comme nous l'avons dit hier, the world is coming to an end. Les temps sont proches pour la fin. God is winding up the age. Le Seigneur est en train de rattraper le temps. And God is concluding the age. Dieu est en train de mettre fin au temps. And he is expected. Et il espère. To take for himself a people. Il veut prendre pour lui un peuple. According to Acts chapter 10. Selon Actes le chapitre 10. Amen. Amen. The Bible says that God had visited in the past to take to himself a people from among men. La Bible dit que Dieu a visité par le passé et a saisi les peuples pour lui. Alléluia. Amen. And so every place that God goes to. Donc tous les endroits dans lesquels Dieu arrive, his intention is to take from there a body of people. Son intention c'est de prendre de là un peuple. From among them. Un peuple parmi ces personnes. Unto himself. Qu'il dédie à lui. You know the way God reckons nations is not the way we reckon them today. The way God count nations, God regard nations. Or the way God defines nations is not the way we define them today. La manière dont Dieu définit les nations, ce n'est pas de cette même manière que nous définissons les nations. Today we define nations according to geographical boundaries. Aujourd'hui, nous définissons les nations en fonction de leur territoire géographique. But God's definition is different. Mais la définition de Dieu est différente. God takes to himself a people from among languages. Il prend à lui, il saisit le peuple parmi leur ethnie. Yeah, well, languages. Leur langue. Ethnic groups. Leur groupe ethnique. Are what God considers a nation. Et Dieu considère cela comme une nation. In Nigeria, for instance, we have over 250 nations. Au Nigeria, par exemple, nous avons à peu près 250 nations. As far as God is concerned. Selon la conception de Dieu. Once a language changes. Quand une langue change. Nationality changes. Quand la nationalité change. Hallelujah. Amen. So that is the way God defines nations. C'est comme ça que Dieu définit les nations. That's why in the book of Revelations we saw multitudes in heaven. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, on voit une multitude de peuples dans le ciel. Of different tribes. De plusieurs tribus. And tongues. De plusieurs langues. And peoples. Plusieurs peuples. And it is God's intention. Donc c'est l'intention de Dieu. That he will get for himself. Qu'il va prendre pour lui. Et body of people from among these tongues. Il va prendre un peuple au milieu de ces langues. So, when God saves you, donc quand Dieu te sauve, and calls you to this work, et il t'appelle pour ce travail, you have a responsibility. Tu as une responsabilité. To pray for the people of your nation. De prier pour le peuple de ta nation. That is people you speak the same language.
Donc, pour dire le peuple qui parle la même langue que toi, because you are a representation of them. Parce que tu es une représentation de ce peuple-là. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. And so I want to speak to us about the responsibility of priesthood. Donc je vais vous parler de la responsabilité du sacrificateur. God is taking to himself a body. Dieu est en train de s'attribuer, prendre pour lui un peuple. D'accord. He sends the word into these nations. Il envoie sa parole dans ces nations. But the word harvests only a handful of people. Mais il va the word, a handful, a few people mais, are harvested. Mais une petite passe, une petite portion de ce peuple-là sera moissonnée. In other words, when God sends out his word into the nations, autrement, lorsque Dieu envoie sa parole dans les nations, through the preaching of the word, à travers la prédication de sa parole, there's always supposed to be a feedback. Il doit toujours avoir une réponse. Many people accept the word. Plusieurs personnes acceptent la parole, but some reject the word. Et d'autres rejettent la parole. Those who accept the word are harvested. Ceux qui acceptent la parole sont donc moissonnés. And God calls them to a priesthood. Et donc Dieu les appelle à une sacrificature. He prepares them to function for him in an office. Il prépare ceux-là à fonctionner avec lui dans une œuvre. So each of you hearing my voice today. Donc chacun de vous qui entend ma voix aujourd'hui, God has called you. Dieu vous a appelé. Amen. Amen. And God wants you to represent him. Et donc Dieu veut que vous le représentez. To function for him. Fonctionner pour lui. In the office of a priest. Dans un rôle de sacrificateur. Amen. Now let's turn in our Bibles to first of all define what a priest is, and then we're going to move on. Nous allons prendre nos Bibles pour premièrement définir ce qu'un sacrificateur est et après nous allons continuer. Exodus chapter 19. Exode chapitre 19. Verse 5 and 6. Verses 5 et 6. The Lord said to Israel when he called them out of the land of Egypt, after he delivered them from the land of Egypt. In other words, after you get born again, there is a call of God. There is an assignment. You are not born again to just sit down and do nothing. Lorsque l'Éternel a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, en d'autres termes, lorsqu'on est né de nouveau, donc nous ne sommes pas nés de nouveau pour rester là comme cela, mais c'est pour accomplir une œuvre. You are called for an assignment. Tu es appelé donc pour accomplir une mission. There is a job to do. Il y a un travail à faire. In the world. Dans le monde. And so the Lord calls us to an office. Donc Dieu, l'Éternel nous appelle donc pour une œuvre. He gives you a portfolio. Il te donne un portefeuille. And he tells you how to function in that portfolio. Et il te dit comment tu dois fonctionner dans ce portefeuille. Let us look at that in verse 5 and 6 of Exodus chapter 19. Exode chapitre 19, verset 5 et 6. Yeah, really. Je lis. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. 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 So God said, obey my voice. Et donc Dieu dit, obéissez à ma voix. When we have become born again, quand nous sommes nés de nouveau, like I was listening to somebody this morning talk, comme je suis en train d'écouter quelqu'un parler ce matin, how to be born again, comment naître de nouveau, and he was trying to defend his denomination. Et il essayait de défendre sa dénomination. To be born again, don't ask Jesus into your heart as Lord and Savior. It's not in the Bible. Il dit, si pour devenir, pour être né de nouveau, ne demande pas
à Dieu, ne demande pas au Seigneur de venir dans ton cœur comme Seigneur le Sauveur, ce n'est pas écrit dans la Bible. He said to be born again means to be washed in sprinkled with water and then by the Spirit. And of course, Spirit to them is something I don't understand. Il dit, pour être né de nouveau, il faut recevoir le baptême d'eau. Qu'on te mette de l'eau sur toi et tu reçois l'Esprit. Il ne sait pas de quoi est-ce que l'Esprit veut dire par rapport à ce qu'il dit. But the word of God says, we are born again by the incorruptible seed, which is the word of God. Mais la parole de Dieu dit que nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. When we take in the word of God into our hearts, quand nous prenons la parole de Dieu dans notre cœur, it is that word that creates, that changes us. C'est cette parole-là qui crée, qui change, qui nous change. That makes us new creatures. Qui fait de nous une nouvelle créature. Hallelujah. Hallelujah. Our sister Sylvie was baptized yesterday. Notre sœur Sylvie s'est fait baptiser hier. But she has been born again before that. Mais elle était née de nouveau avant cette date. Amen. Amen. As a practice in Christianity, we do not baptize people who are not born again. Comme pratique dans le monde chrétien, on ne baptise pas quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Because the new birth is a spiritual work inside of you. Parce que la nouvelle naissance est une œuvre spirituelle en nous. You hear the word of God first. Tu entends la parole de Dieu d'abord. You receive the word of God first. Tu reçois la parole de Dieu d'abord. Into your heart. Dans ton cœur. It creates a change. Ça crée un changement. That is receiving Jesus. Ça, c'est recevoir Jésus. Into your heart. Dans ton cœur. Hallelujah. Amen. Because it says in John chapter 1 verse 12, as many as received him. Parce qu'il dit dans Jean chapitre 1 verset 12, aussi à tous ceux qui l'ont reçu, to them gave he the right to become children of God. À eux, il a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Hallelujah. So when we have experienced that, et donc quand on a expérimenté cela, God calls us to a special assignment. Et donc Dieu nous appelle maintenant à une mission spéciale. God said, if you obey my voice, in other words, if you continue to walk according to my word. Dieu dit, si tu obéis à ma voix, en d'autres termes, si tu continues de marcher selon ma parole, you will be a peculiar treasure. Tu seras donc un trésor spécial pour moi. You will be a people that are called my people. Tu seras donc un peuple qui sera appelé mon peuple. Amen. Amen. And then he said, you will be a kingdom of priests. Et lui, tu seras un royaume de sacrificateurs. You will be called a holy nation. Tu seras appelé une nation sainte. Amen. Amen. He said, these are the words of the Lord unto Israel. Cela, ce sont les paroles de Dieu pour Israël. So, those who are saved, God calls them to a priesthood. Donc ceux qui sont sauvés, Dieu les appelle à une sacrificature. That is your main assignment. Ça, c'est ta mission principale. Each one of you that have believed on the Lord has been called to a priesthood. Chacun d'entre vous qui avez accepté le Seigneur avait été appelé pour une sacrificature. We must understand this. Nous devons le comprendre. And we must seek to walk according to it. Et nous devons chercher à marcher conformément à cela. That is the way God sees you. C'est de cette manière que Dieu nous voit. He sees you as a priest. Il te voit comme un sacrificateur. Who is a priest? Qui est sacrificateur? Hebrews chapter 5 verse 1. Hébreux chapitre 5 le verset 1 nous le dit. OK. On va dans Hébreux chapitre 5 le verset 1. Now, we read from verse 1 to verse 1 and 2, really. Je lis le verset 1 et 2. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu
afin de présenter les offrandes et les sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, remember, Jesus, our Lord, is the high priest. Souvenez-vous, Jésus, notre Seigneur, est le souverain sacrificateur. And we are his sons, the priests. Et nous, ses enfants, nous sommes les sacrificateurs. Why does God choose the priesthood? Pourquoi Dieu choisit la sacrificature? They stand before God for men. Ils se tiennent devant Dieu pour le service des hommes. And they stand before men for God. Et ils se tiennent aussi devant les hommes pour Dieu. Hallelujah. Amen. So we have been called. Donc nous avons été appelés. We stand before God on behalf of men. Nous nous tenons devant Dieu pour le compte des hommes. On behalf of our tribes. Pour le compte de notre tribu. On behalf of our nation. Pour le compte de notre nation. On behalf of our leaderships. Pour le compte de nos leaders. And we take the message of God and we preach it to the people. Et nous prenons le message de Dieu et nous l'enseignons au peuple. So that there will be peace between God and the people. Afin qu'il y ait la paix entre Dieu et le peuple. That is the duty of the priests. Cela est la responsabilité du sacrificateur. Glory to God. Gloire à Dieu. Amen. Amen. All right. So we can see from this Hebrews chapter 5 verse 1 and 2 that every high priest taken from among men is ordained for men. On peut le voir dans Hébreux chapitre 5 1 et 2. In things pertaining to God. Que tout le souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes, pour les choses concernant Dieu. So that is how God sees you first of all. Premièrement, c'est comme ça que Dieu nous voit. At this time of the end, dans ce temps de la fin, when the world is going crazy, quand le monde va à la perte, people are doing all sorts of things. Les gens font tout ce qu'ils veulent. People are following the world to hell. Les gens suivent le monde pour aller en enfer. We must start different. Nous devons nous tenir différemment. And tell the world about our God. Et parler du monde, parler au monde à propos de notre Dieu. And tell God about our world. Et parler aussi à Dieu concernant notre monde. To save our world. Afin que Dieu puisse sauver notre monde. To deliver our world. Afin que Dieu puisse délivrer notre monde. In the name of the Lord Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Now, let's look at this call further. 1 Peter chapter 2 verse 9. Donc regardons un peu plus en profondeur cet appel. 1 Pierre chapitre 1 Peter chapter 1. Pierre chapitre 2 verset 9. Amen. Amen. I think we should read that together. Je pense que nous devons le lire ensemble. In the French. Dans la version française. Hallelujah. 1 Pierre chapitre 2 le verset 9. Okay, are we all there? 1 Peter. 1 Peter 1 Pierre chapitre 2 le verset 9. Chapter 2 verse 9. 2 3. No, wait, our brother is still getting it. Okay. Yeah, we'll wait for him. Notre frère est en train de chercher. Nous allons attendre. Hallelujah. Pierre 2, verset 9. Yes, let's read it now. Okay. On peut lire maintenant. Vous, au contraire, vous non, êtes non, une... We are not reading. Let's start again. 1, 2, go. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, afin que vous annonciez les bienfaits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. We are a chosen generation. Nous sommes une génération choisie. The fact that God opens your eyes to hear these things, you are chosen. Le fait que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre ces choses, c'est que tu es choisi. Amen. How does God call people? By speaking the word to them. Comment Dieu appelle les hommes? C'est en leur
parlant de la de sa parole. When they begin to respond to the word, God chooses them. Quand ils commencent donc à répondre à cette parole, Dieu les choisit. When am I called? Quand est-ce que j'ai été choisi? When I hear the word of God. Quand j'entends la parole de Dieu. When am I chosen? Quand est-ce que je suis choisi? When I respond to the call. Quand je réponds à l'appel. Amen. Amen. Let's repeat it after him. But I want everybody to say this. When am I called? Nous allons répéter après moi, mais attendez, quand il doit parler, nous allons répéter. Yes. Quand je suis appelé. Repeat it after him. Quand je suis appelé. When am I called? Quand je suis appelé. Quand je suis appelé. When I hear the word of God. Quand je reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu. Quand je reçois la parole de Dieu. Amen. Ok. Quand est-ce que je suis appelé? Quand est-ce que je suis appelé? Quand est-ce que je suis appelé? Est-ce qu'il y a appelé? Quand je reçois la parole de Dieu. When I hear the word of God. Quand j'entends la parole de Dieu. Quand j'entends la parole de Dieu. When am I chosen? Quand est-ce que je suis choisi? Quand est-ce que je suis choisi? When I respond to the word of God. C'est lorsque je réponds à la parole de Dieu. C'est lorsque je réponds à la parole de Dieu. Amen. 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 So the priesthood is like that. Donc le prêtre, la fonction du sacrificateur, c'est comme cela. When you hear the word of God. Quand tu entends la parole de Dieu. God calls you. Dieu t'a appelé. When you answer the word of God. Quand tu réponds à la parole de Dieu. You give your life to Christ. Quand tu donnes ton cœur à Christ. You begin to seek to walk by the word of God. Tu donc commences à chercher à marcher conformément à la parole de Dieu. God has chosen you. Alors Dieu t'a choisi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. And God wants you to be faithful. Et donc Dieu veut que tu sois fidèle. Amen. To the word that he gives you. Amen. À la parole qu'il t'a donnée. When you are faithful to it, quand tu es fidèle à cela, you inherit the kingdom. Tu vas hériter du royaume. Amen. 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 All right. Now, having established that God calls you to be a priest unto him. Après avoir établi que Dieu nous a appelé pour être un sacrificateur, you don't need to have a degree in divinity to, you know, stand for God. Tu n'as pas besoin d'avoir un diplôme en divinité pour pouvoir te tenir pour Dieu. You don't need to go to Bible school. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école biblique. You don't have to be ordained a priest in a church denomination. Tu n'as pas besoin d'être nommé dans une église dénominationnelle. When you heard the word of God. Quand tu entends la parole de Dieu, God has called you. Amen. Dieu t'a appelé. When you respond to the word of God, quand tu acceptes cette parole, God has chosen you. Dieu t'a choisi. To be a priest unto himself. Pour devenir un sacrificateur pour lui. Blessed be the name Amen. Of the Lord. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Now, why is it that some of us are not functioning as priests? Mais pourquoi est-ce qu'il y a certains parmi nous qui ne fonctionnent pas comme des sacrificateurs? That is despite the fact that the world is dark. Malgré le fait que le monde tout entier est dans les ténèbres. People will work within the office, will work within the office as sinners. Plusieurs vont aller dans leur travail et ils vont vivre comme des pécheurs. And they are living and getting destroyed. Et ils vivent et ils sont détruits. But we never convict them. Mais nous n'avons jamais eu l'occasion de leur parler, de les convaincre. That's because we have not awakened to the call of God in our lives. Cela est parce que nous n'avons pas pris conscience de l'appel de Dieu dans notre vie. Praise the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. And at this time, et à ce moment-là, like we said yesterday, comme nous l'avons dit hier, God expects you, Dieu espère de toi, to obey His word, Dieu attend de toi que tu obéis à sa parole, and make it to the throne, et que tu ailles jusqu'au trône. Amen. 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 And so we are going to look at how to function for God in the office of a priest today. Donc nous allons voir comment fonctionner dans la mission d'un sacrificateur. The things that you require to have with you all the time. Les choses dont on a besoin d'avoir avec nous tout le temps.
Turn to the book of Exodus chapter 28. Allons dans le livre d'Exode chapitre 28. Amen. Exodus 28. Exode chapitre 28. We'll read it from verse 1. À partir du verset 1. Amen. Amen. I would like Brahim to read from verse 1 to 5. J'aimerais que le frère lise du verset 1 au verset 5. And follow him very closely. Et suivez-le très bien. Silently. Silencieusement. All right. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront: un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Ils feront les vêtements sacrés à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisie et de fin lin. Amen. Now, having been called to be a priest, maintenant, ayant été appelé à être un sacrificateur, God said, make holy garments for them. Dieu dit, fais un vêtement sacré pour eux. Every tree in the world today is recognized by the uniform they wear. Every trade, every profession. Toutes les professions aujourd'hui dans le monde sont reconnues par leurs vêtements. When you see an engineer, how do you know an engineer? Quand vous voyez un ingénieur, comment vous le reconnaissez? He has a helmet on his head. Il a un casque sur sa tête. He has jeans overall. Il a un jean. He has very thick boots. Il a des chaussures très, des bottes très solides. Amen. When you see a nurse, would you know a nurse? Quand vous voyez une infirmière, how do you know a nurse? Comment vous le reconnaissez? By the things they wear. Amen. Par ce qu'ils portent. Okay, let me give an example. Brother, stand up. Are you? Viens. Aha. Okay. Now, this is a nurse. C'est un infirmier. Is he a nurse? Est-ce qu'il est infirmier? Maybe. Oh, really? But is he dressed like a nurse? No. Est-ce qu'il est habillé comme un infirmier? Okay, if he was a, let's assume he was a nurse. But I suppose qu'il soit un infirmier. And he goes to the, you were a patient in the hospital. Et il y a un patient, il y a un malade à l'hôpital. And he comes like this with injections and drugs. Et il vient avec une seringue avec des médicaments. Would you collect from him? Est-ce que vous allez accepter cela? Unless you know already that he's a nurse. À moins que vous sachiez déjà qu'il était un infirmier. You are very likely to be suspicious. Vous allez être suspicieux par rapport à lui. Hallelujah. So you see a nurse, God bless you, sit down. When you see a nurse, you know them by their uniform. Donc quand vous voyez un infirmier, vous le reconnaissez par son uniforme. When you see a soldier, quand vous voyez un soldat, you know a soldier by their dress, isn't it? Vous reconnaissez les soldats par leurs vêtements. When you see a naval officer, Yeshua.